Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi matin, donc jeudi 14. Je viens vous partager donc mes ouvertures de mes calendriers de l'Avent. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Moi, ça a été un peu difficile, j'avoue. Hier, j'avais la pêche et tout, voilà. Après, c'est des journées de 10 heures le mercredi, mais voilà, c'est sympa, mais fatigant en soi. Mais cette nuit, ça a été un peu dur pour moi. Voilà, de me coucher, j'étais un petit peu excitée, énervée. Et puis ce matin, j'ai eu du mal quand même, Mais je me suis dit, allez, je vais faire ma petite vidéo pour vous la poster et découvrir ensemble, voilà, les calendriers de Scrabidi et de Odile M. C'est parti, je vais boire une petite gorgée, puisque, voilà, je vais, voilà, boire mon petit café gentiment aussi avec vous. Allez, je vous montre donc pour l'ouverture de Scrabidi, toujours dans ces petites pochettes craft, récupérer le numéro 14 que je vais donc venir ouvrir. À tout de suite. Souvenirs précieux à conserver. Donc un tampon cling, voilà, tout en mousse, hein, qu'on connaît tous maintenant, de Scrabidi. Tampon caoutchouc, le chemin des créations, souvenirs précieux. Voilà. Donc voici ce qu'on a eu dans le numéro 14, jour 14. Donc voici. Donc je vais venir vous montrer également ma création du 13, donc avec ces étiquettes, voilà, comme ceci, et hop hop hop, ces dies, voici ces étiquettes également. Voilà, je vous remontre au dos comme ceci. Alors pour ça, donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc j'ai pris donc des étiquettes, oups, je me bats toujours avec ces pochettes. Je vais vous montrer, donc voici mon tag numéro 13, voilà comment je l'ai présenté, comment j'ai réalisé ma petite création, j'ai fait un fond, j'ai même utilisé, vous savez, je vous avais fait un petit, une démonstration avec la perfo de chez We Are Memory Keepers, et j'ai pris donc ceci que j'ai mis au centre, j'ai fait voilà, un petit fond. J'ai repris aussi la Distress Oxide pour faire des petites taches également, mon petit fond. Et avec les étiquettes, donc voici ce que j'ai réalisé. Donc le petit ticket bonheur avec le dice, voilà, comme ceci, celui-ci. Et là, avec les tampons du jour, je ne sais plus, je crois que c'était le numéro 7. Bon, que je vous avais montré aussi, j'avais fait donc des tamponnages avec ma petite création avec ces tampons. Je suis venue donc tamponner sur le ticket et toutes les petites étiquettes. J'ai aussi repris donc les dies de chez Scrabidi avec, vous voyez, au centre. Je suis venue faire ma petite découpe La vie est belle, voyez, au centre là sur l'étiquette, et capturer le bonheur aussi, voyez, juste là. Je sais pas, je vais peut-être allumer comme ça vous verrez mieux. Hop, voilà, regardez, hop, je sais pas allumer, hop là, voyez ici, capturer le bonheur, La vie est belle, et puis voilà, tout plein d'étiquettes avec qu'on avait reçu. Donc bon, je vous cache pas, j'ai fait des photocopies, voilà, je les avais collées légèrement, voilà, sur cette feuille, et j'en ai fait des photocopies, voilà, pour voilà, me servir de ça pour faire des créations, voilà, pour les scrap copinettes. Et moi, bon, bah, c'est des copies, hein, voilà.
et il faut que je les remette à l'intérieur. Donc voici comment ça c'est, ça se présente. Voilà. Et je suis venue prendre des petits stickers en mousse de chez Action et j'ai fait mes petits drops. Voilà. Donc voilà pour le numéro 13. J'espère que ça vous plaît également. Donc en tous les cas, je suis très très contente pour voilà ce tampon. Il est très très joli. Et voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup. En tous les cas, j'aime beaucoup les tampons de chez Scrabidi. Merci, merci pour voilà tous ces jolis tampons, dice, étiquettes. Franchement, je suis trop contente. Voilà pour donc ceci. Et on va venir découvrir aussi le cadeau numéro 14 de Odile. Allez, je vais le prendre. Je vais pas vous ramener la boîte. Allez, hop. Voici donc la boîte. Hop, et je vais venir récupérer le numéro 14. Alors, je le tiens. Je vais ranger la boîte. Alors, donc, voici le numéro 14. Très jolie pochette. Très, très mignon. Elle est venue faire sa petite pochette. Elle est venue faire les bords avec un dice, une découpe. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous montrer. Je vais prendre ça. Allez, hop, vous voyez. Elle a fait une petite découpe très sympa. Très, très sympa. Donc, et ben on va découvrir. Allez, c'est parti. Super petite pochette. Merci, merci. Merci. Alors, on va découvrir. Oh. Super, merci beaucoup. Alors, des washi tape. Merci infiniment. Je vais mettre sa petite pochette ici. Trop sympa sur le thème de Noël avec des petits flocons, des petits Pères Noël. Alors, attendez, je vais, pour éviter le bruit. Hop là, on va mettre ça là. Trop, trop sympa. Merci beaucoup, Odile. Alors là, vous avez tout plein de flocons. Voilà, je vous montre. Ensuite, vous avez des petites têtes trop rigolotes. J'adore. Le Père Noël. Ouais, des petits bonhommes de neige. Alors, je vous montre. Donc là, il y a les petits bonhommes de neige. Il y en a plusieurs, ouais. Regardez. Hop. Après, le Père Noël. Voilà. Très sympa. Vraiment très sympa. Voilà. Et là, vous avez donc Christmas avec des petits sapins. Attendez. Il y a des petits mots comme ceci aussi. Voilà. Comment ça se présente? On va l'ouvrir. Joli cadeau. Time, le temps. Noël. Waouh, j'adore celui-là. Il est trop beau. Bah oui, hein, c'est écrit en français en soi. Voilà. Comment ça se présente? Très très sympa. Merci beaucoup. Bon bah on va venir aussi faire une petite création avec ces washi. J'adore, vraiment sympa. Les couleurs, tout me va. Merci beaucoup Odile. Hop, on va remettre ça correctement. Et oui, parce que là je le vois aussi. Tu es venue aussi, voyez, se servir avec les washi. Trop bien pour faire des fermetures et tout ça, c'est bien pour les enveloppes, pour faire même voilà des créations avec. Merci, merci beaucoup, Maudie, adorable, merci infiniment. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mes ouvertures, mes petites pochettes de chez Scrabidi ainsi que le cadeau de Odile vous aura plu. Moi j'ai toujours un énorme plaisir de découvrir ça avec vous, et puis comme je vous dis, c'est voilà, c'est que du bonheur, hein, voilà, c'est que du bonheur, et oui. Donc, je vais vous quitter, je vais vous dire à demain, et puis ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse faire, hein, vous savez,
En tous les cas, c'est toujours, ça fait toujours plaisir voilà, de vous lire. C'est vrai que je ne prends pas la peine de vous répondre en ce moment, mais sachez que je suis fatiguée, je vous l'avoue, je suis très très fatiguée le soir. Quand je rentre, j'essaye de, voilà, de me consacrer une demi-heure, mais vraiment une demi-heure pour moi, parce que à côté, j'ai pas mal de choses à faire. Après, bah, comme tout le monde, quand on rentre du boulot, on a pas mal de choses, mais notamment aussi m'occuper de mon mari. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous. Aujourd'hui, je suis un petit peu morose, mais c'est pas grave, ça va passer, ça va aller. Hier, j'avais la pêche, j'étais waouh. Et bah, cette nuit, j'étais un petit peu fatiguée, j'arrivais pas à dormir, j'étais tellement énervée de ma journée que. Et ce matin, c'était un petit peu dur aussi, mais ça va. Voilà, on essaye de, voilà, de se motiver, d'aller mieux hein, en soi, mais bon. Et bah écoutez, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'avais envie de vous le dire. C'est comme ça, il y a des fois, bah, je sors des choses dont j'ai pas envie, et là, bah, voilà. ça fait du bien aussi. Bon, allez, je vais vous laisser, je vous fais tout plein de gros bisous, et puis, sachez que, voilà, vous êtes tous là dans mon petit cœur, et puis que je vais venir vous mettre des petits cœurs, mais je pourrais pas vous, voilà, répondre à tout le monde. Merci, merci quand même. Voilà, pour toute votre gentillesse et votre bienveillance envers moi, c'est adorable. Il y a des copinettes qui m'ont laissé des commentaires en disant que si j'avais reçu leur courrier, etc. Oui, j'ai reçu vos courriers. Vous inquiétez pas, je fais ça vraiment tout doucement. Chaque jour, j'essaie d'ouvrir. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos déjà que je suis en train de poster, dont une que j'avais déjà postée ce matin. Je les avais programmées, j'en ai programmé, voilà, pour le matin à 7h. Et puis, peut-être que à ma pause, je vais encore continuer à ouvrir, voilà, des courriers pour pouvoir, voilà, vous les poster chaque matin. Voilà, je vais essayer de faire ça pour pas que ça fasse trop de vidéos dans la journée, ok? Une le matin et puis les ouvertures, voilà, des calendriers, pas le matin, soit l'après-midi, si je vais voir, parce que là, bon, il y en a une ce matin pour mon concours, et puis bah, celle-ci, je vais la mettre dans l'après-midi ou juste après, là, je sais pas, vers les coups de 10h, 11h, ou midi ou 4h, je sais pas, on verra, parce qu'il y a aussi le montage à faire. Ok, allez, là je vais pas vous embêter plus. En tous les cas, merci à vous pour toute votre gentillesse et votre bienveillance, et merci de regarder, voilà, mes ouvertures, ça me fait plaisir. Et ben écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous, et puis on se retrouve demain quoi qu'il arrive, d'accord? Allez, prenez bien soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.